Fabienne. Je tenais également à remercier, bien entendu. La partie de la région. Pour moi, la responsabilité incombe d'abord à la communauté et aux musulmans eux-mêmes. Ils doivent traiter leur religion, ils doivent la travailler, ils doivent l'interpréter, ils doivent lui donner une forme audible, intelligible, adaptée. Et en République, il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale, que nous formons et que nous devons former tous ensemble. Voilà pourquoi nous devons être intraitables en ce qui concerne le respect de la loi républicaine, la lutte contre tous les communautarismes, qui sont toujours des tentatives, comme vous l'avez dit excellemment tout à l'heure, pour s'isoler et s'exclure de la République. Chacun sait bien que l'immense majorité des Français de confession musulmane ont fermement et évidemment condamné les attentats perpétrés sur notre sol, ainsi que la volonté des terroristes d'invoquer la religion pour justifier leurs actes criminels. Mettre en relation les exactions de quelques individus avec les comportements et les valeurs de 5 millions de Français musulmans relève soit d'une coupable ignorance, soit d'une malhonnêteté inacceptable, armée par une réelle volonté de nuire.